C'est le titre journal, plaisir jeune garçon, surtout. Non, Alexis, que tout le monde connaît sous nom, Ravine Pétade, a dénoncé complètement la police qui tirait plusieurs jeunes dans la zone ça, qui tape tourné en vidéo, pour nous dire bien, qui tape filmé en vidéo, pour nous expliquer mon premier samedi, hein, avec faux âmes dans mes yeux. J'ai nous expliqué, force l'audio débarqué et puis tiré sans aucune explication. Plusieurs n'ont mouru sous place, sans compter l'autre qu'elle prend soin sous de cabane l'hôpital. On écoute quelques n'ont dans le micro, Radio Mega. Nous avons venu tout à l'heure avec extrait sonore si là côté divers jeunes mais gain là qui dit aussi artiste groupe là qui t'a parlé dans un micro Radio Mega après ça qui était fin rivé hein j'en dis là après ça était fin rivé dans la nuit mardi pour l'ouvri hier mercredi hein mais là hier pendant jeudi mercredi a été en pile tension en pile mouvement panique hein, habitants bi jeune dans zone ça t'a fait côté était gain plusieurs et unité qui était là surtout Idmo Simo pour être capable qui contrôle la situation hier zone ça t'est censé et paralysé après incident sa crivea côté en pile là aujourd'hui dian jeune ça a dénoncé complètement la police yo dit qu'il tirait plusieurs jeunes dans zone ça qui t'a tourné en vidéo avec faux âme nan mais yo jeune expliqué force le lui débarqué et puis tiré sans aucune explication simplement de ça qu'a fait non plusieurs nan yo mouri sous place sans côté l'autre qu'elle prend soin l'hôpital on permet nous écouter kounya quelques nan témoins quelques nan jeune sila yo. Oui, même c'est une action. Oui. Les gars, ils débarquent. Sans poser des questions. Ils mettent le métal sur nous. Ils mettent la Le moment action ça même mettre la caille moi c'est mon zone yo qui expliquer bagarre mon ravine peut-être qui pas chambre qui voler et même voler même pas voler chambre qui voler n'est que tu fais pas voler c'est artiste cap créole yo c'est artiste cap créole tout monde comment groupe la relé nous gagne solino là dans tout nous gagne gogo chien igo qui sont solino nous gagne amasala papa amasala non mort qui pour enterrer n'est que tiens pitié là. Ils sont ces domaines qui viennent faire vidéo, papa le fait que l'amour là, papa le beaucoup enterré, mais n'est-ce pas tout ce qui est là. Allez-y, à 10h30, on se débarque là, et puis tu fais faire vidéo, et puis, gros petit inspecteur qui vient, gros petit inspecteur qui camé à moi qui a filmé. Il vient avec ses bagages, ses bagages jouets, mais vous savez que vous avez dit, bon sang. Est-ce que non? Il y a un petit inspecteur à l'époque 11 balles. Il y a un petit inspecteur à 11 balles. L'inspecteur vient parler pour petit lit. Il y a un petit inspecteur à petit inspecteur. Il y a un petit inspecteur à petit inspecteur. Il y a un inspecteur à regarder pour un petit doigt pour un. C'est nèg yo mes amis yo. Nèg pa gè pou nèg pa gè zam. Nèg pa gè zam pou tirer vraiment ti. C'est chef ça qui gè gros qui vin à gros calibre qui crase mi moun yo à balle. Porte-parole PNH pour d'explication sur opération la police menée dans zone Ravine Pétade côté ça au tapant témoignage au tapant de là mais porte-parole la pour d'explication sous opération ça mais les faits qu'on est Marie Michel veuillez préciser c'est plusieurs citoyens t'es informé yon patrouille police qui un groupe jeune garçon examen dans un espace les la police rivière dans espace ça les constate effectivement plusieurs individus ça yo amélie tiré sur yo d'après lycée une enquête qui va déterminer si zam yo jouette ou pas, Marie-Michel Veig. Information qui arrive, joignez-nous. La police, pendant la fait patrouille, est
Il y a une patrouille qui était trouvée dans la zone de la lune. Il y a plusieurs citoyens qui sont allés joindre les policiers qui étaient dans la patrouille, qui informaient. Il y a plusieurs jeunes garçons qui avec des armes dans la rue Alexis, en zone qui est la ravine pétale. La police lui-même a fait diligence, il est arrivé sur le lieu. Les arrivés, les jeunes, effectivement, ont gagné des armes dans la main. Pendant la approche, il y a des détonations. L'obligé de demander renfort. Il y a l'autre renfort qui est arrivé à la jeune police. Et il y a l'autre détonation qui est arrivé. Il y a approché avec renfort qui est arrivé à la jeune. Il est obligé de tirer sur le monde. Il y a des armes dans la main. Et là, il est fini. Il y a des juges de paix. Constat est fait. Et après constat, nous jouons les âmes sales dans le même monde. C'est une enquête qui a déterminé si c'était bon ou bien mauvais âme. Mais la police lui-même, pendant qu'il était prêt à faire intervention, il n'a pas déterminé si c'était bon ou c'est mauvais âme. Et voilà la déclaration porte-parole PNH, la inspectrice Marie-Michel Verrier. Elle a toujours été avec porte-parole là. Côté, elle a profité de présenter bilan opération Lirilé. Marché Prayo, la police a mené dans diverses régions. En deux pays, sorti 1er d'août pour arriver 20 septembre passé en là. 1250 individus, jeunes arrestations pour divers chefs d'accusation. Takou, association malfectée, viol, vol à main armée et la trier. 26 âmes saisies, plusieurs individus stoppés d'après Marie-Michel Verrier, toujours dans le micro collaborateur, nous, José Belamour. Il y a un plan sécurité qui rentre en application dans l'occasion d'entrer l'école là. Côté présence la police renforcée dans l'environnement, tout côté qui est l'école. Côté DCPR, qui c'est Direction Centrale Police Routière, avec Edupol, il y a là pour accompagner élèves et parents. Conducteurs, il y a demandé tout. Puis on fait preuve. Il y a un plan sécurité qui rentre en application dans l'occasion d'entrer l'école là. Côté présence la police renforcée dans l'environnement, tout côté qui est l'école. Côté DCPR, qui c'est Direction Centrale Police Routière, avec Edupol, il y a là pour accompagner élèves et parents. Conducteurs, il y a demandé tout. Puis on fait preuve de prudence. Il y a un plan sécurité qui rentre en application dans l'occasion d'entrer l'école là. Côté présence la police renforcée dans l'environnement, tout côté qui est l'école. Côté DCPR, qui c'est Direction Centrale Police Routière, avec Edupol, yo ap là pour accompagner élèves et parents. Conducteurs, yo mande yo tout, puis yo fait preuve de prudence. Et puis, limiter excès de vitesse, yo, surtout dans la zone côté qui est l'école. Policiers qui affectés dans la Direction Centrale Police Routière recevoir instruction pour sanctionner tout le monde qui pas entendre respecter les règles de circulation. Côté, ils fait ça yo vle et provoquer embouteillage. Camion yo pas ka circuler dans heure de pointe yo. Sorti 6h pour arriver 9h dans matin et 3h dans après-midi pour arriver 6h dans après-midi. 3h pour 6h dans après-midi. C'est que 6h dans matin, arrivé 9h dans matin. Tout conducteur camion qui pas respecté ça, il a tombé en bas contravention. 5h55. Et voilà, notre côté de préfet Marie-Michel Verrier qui est apporté précision dans l'intervention ça concernant et plan sécurité pour garantir sécurité élève l'école Lyon. Dans sa porte-parole, Père d'Achat Marie-Michel Verrier fait qu'on ait présence policière auprès de renforcer dans l'environnement l'école Lyon. Demande des chauffeurs pour éviter faire excès de vitesse à côté qui est l'école Lyon. Gagne interdiction pour conducteur camion aussi qui est dans la rue, sorti 6h pour arriver 9h dans le matin et puis 3h pour arriver 6h dans l'après-midi. Tout chauffeur qui a coupé en bas, qui capable de tomber en bas, mais ça, et même si yo pas respecté ça, yo même dans le niveau de la police, surtout DCPL, et même li dit. J'en ai dit là, un côté que nous avons étendu Marie-Michel Verrier qui est le même côté de la police et présenté l'opération et mené l'opération qui est baptisée Marché Prenyo. La police a mené dans diverses régions sorti 1er d'août pour arriver 20 septembre. Côté au fait qu'on est là, il y a 1250 individus qui jouent arrestation pour diverses chefs d'accusation. Tant coup, association malfectée, voilà, mais armée. Pour ne citer ça au seulement, il fait qu'on ait 26 armes qui saisissent divers calibres. Plusieurs individus stoppés, d'après Marie-Michel Verrier, les balles de
stopper, ça c'est l'engagement de la police. Non, la police pas tuer, la police stopper. Mais pour nous capables de comprendre, bien, ça veut dire qu'il y a plusieurs individus qui tombaient en bas coup de balle la police. Pour nous capables de finir avec la question, ça, beaucoup d'autorités policières, yo, police nationale d'Haïti, direction circulation de la police routière, DCPR, ils mettent en note pour la presse de York. Qui datait 17 septembre 2021. Côté, il faut qu'on ait l'occasion de réouvrir la circulation, direction circulation, la police routière l'a rappelé, propriétaire à conducteur poids lourd, qui est formellement interdit pour être capable de circuler dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, sorti 6 heures pour arriver 9 heures dans le matin et sorti 3 heures pour arriver 6 heures dans l'après-midi. Regardez bien, l'occasion de circulation pour l'année académique 2021-2022, mais direction centrale, direction circulation pour les routières DCPR, les rappeler avec tout propriétaire et conducteur poids lourd, on peut dire go machine poids lourd, on prend conteneur, camion tout ça yo, bien li formellement interdit pour capable circuler dans zone métropolitaine Port-au-Prince non, sorti 6 heures pour arriver 9 heures dans le matin et 3 heures pour arriver 6 heures dans l'après-midi. Direction circulation pour les routières, li compter sous compréhension à collaboration toute hein, toute propriétaire conducteur et même pour capable permettre que mesi ça li appliquer et comme ça doit mon qui potentiati en bas note de presse ça pour DCPR nous joindre c'est Castro J Préville qui c'est commissaire divisionnaire directeur Monès Auguste directeur central police administrative. Dossier éducation qu'il y a avec insécurité, plusieurs écoles de Matisse sont obligées de délocaliser ou bien disparaître net définitivement à cause bataille gang qui pas campé dans zone sa yo, quelques écoles de Matisse capé si résister, obligé la école au Carrefour ou bien Fontamara. Reportage Jean-Philippe Massier. Semblait pas gagner un peu le monde qui songe l'école dans quartier populaire yo pendant l'état lancé année académique là. Ni pas un secret pour personne, bandit et forcé tout le monde courir quitter 3e circonscription Port-au-Prince. Tout dans Matissan, même Jacques, reste population, hein? L'école yo krasé rak, c'est le bâtiment yo qui campé. C'était là-dedans yo al réfugié Fontamara. C'est ka collège Pélège d'Ovinus qui obligé à abandonner le local li, li bout ko même fin payé. Chaque local ou allé, 300 000, 200 000 dollars, y a pas de local, y a aucun de la local, pas me faire construire sur l'école là, prêter comme, pour finir mettre comme, pour y la mouvée en opposition, pour qu'à finir mettre comme là, mon budget quitte. Quel local là qu'on y a pas jamais soit disant ministre d'éducation nationale là bas jamais fait une grande intervention du tout bah jamais demandé ça au gars. Matissan c'est une zone dans Port-au-Prince qui gagne pile l'école. C'était là-dedans, il y a plus passé 30 l'année. Malgré toute santé tendé à Nissa, dans Matissan, l'État déclaré l'école ouvrie sans le paiement des directeurs ça yo, ça repose pour vendre. L'État pas jamais pensé à rien du tout, du tout, du tout. L'État cléonné, l'école ouvrie, mais pas jamais pensé de côté de Matissan. Qui ça met l'école ça yo a fait? Qui ça parent ça a fait? Qui ça tout le monde dans la zone a fait? L'État sont l'État qui quitte zone pour ne pas dire quitte pays. C'est vrai, Pélège a cherché à l'ouvrir dans Fontamara qui jusqu'à présent a mis sous la vie. Mais le collège ça qui existait depuis l'année 2004 perd la majorité d'élèves qui est obligé à abandonner la zone à cause de coup de balle bandit. Et les histoires qui sont l'école. Généralement, depuis lui, c'est jour où je monter, l'école a été diminuée en effectif. C'est l'école qui était extrêmement jaillante. Mais là, l'école là. L'école n'a pas de timon, encore tout timon. C'est par rapport à des autres. Parce que chaque semaine, il y a des timons dans la zone. Chaque semaine, par an, qui est timon, qui est sorti dans la zone, le timon n'a pas qu'à venir à l'école encore. Mais il n'y a pas de timon dans l'école. C'est presque la même réalité pour le collège frère André dans Fontamara qui perdit un pile professeur à qui lève. Nous avons un pile qui est la ville, qui est tourné. Mais tout ça qui était mort, qui était Carrefour, qui était à Carrefour, mais qui est dans Fontamara, qui est tourné. Il y a des professeurs qui ne sont pas tournés. Tout le monde qui est là, il ne sont pas tournés. Il ne sont pas tournés. Il va constater qu'il va tourner. Nous parler, il va expliquer la situation. Il dit voilà, 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 va venir. Parce que le 3 novembre est difficile. Mais même les gens qui ne parlent pas, ne parlent pas de risque. C'était l'école Matissan qui n'a pas payé nouveau local prêté espace dans l'autre confrère dans Fontamara.
Collège Marie-André, c'est un espace que l'école Matissan a contacté pour juste faciliter et préparer élèves qui prennent l'examen officiel. Collège ça a été obligé de refuser à cause de réalité zone. Je ne sais pas si Matissan va pas venir là. Quand on va attendre, c'est. Comment dire que bonjour, tout à l'heure, on va parler. De ce point de vue, si nous avons besoin de travailler à l'examen, il n'y a pas qu'à travailler dans l'espace de l'école. Il faut qu'on ait demandé, vous savez, et puis il y a un espace à la rue, vous ne pouvez pas dire. Même moi, c'est quoi? L'État qui a fait bagage, s'il décide de faire bagage. S'il penche sous calme, qui a fait bagage. En tout cas, Matissan, par cette zone qui n'a pas bien l'école à Nissa, nous pas qu'à oublier Belé, qui n'a même situation, ça, avec Bandi, qui a beaucoup de coups de zame toute la journée. Nous avons croisé Mouquet, en pile question à poser, sous qui j'ai les vieux pour aller prendre chemin l'école. L'en considéré, ticric-ticrac, 400 marozo envahi la ria, sans compter gros l'argent l'école ça a eu pour aller obligé payer pour être capable de fonctionner. Jean-Philippe Masséan, Radio Omega. 6 heures. Voilà, merci en pile avec Jean-Philippe Masséan pour reportage ça à côté vraiment. Pendant l'école à l'ouvri, mardi 21 septembre, dans la 7 département, Jean-Premier ministre Ariel Henry te dit l'an, t'es annoncé l'an pour département qui pas touché yo, pour nous dire bien parmi département ça nous jeune l'Ouest non, mais dans l'Ouest non, gagné des séries de zones là, c'est pas frappé ou frappé par tombement des ténons, c'est des nègres examens qui empêchaient l'école ça en académique de 2020-2021 mal fini et 2021-2022 pour qu'on commence pour yo. Tant qu'au Bel Air, tant qu'au notre troisième nan, tant qu'au Croix des Bouquets, et ça fait matin en tout, nous allons parler avec Dédéo. J'aime dire Dédéo, c'est le directeur départemental Ouest Éducation. Donc, à regarder avec lui, dans mes yeux annoncés là. Est-ce que Mézi qui a annoncé pour tout le monde dans la zone ici là, où j'ai marqué en ce deal là. Dans même dossier ça, question éducation, nous apprenons là, il y a un ministre condition femme à droit femme nan, Sophia Lurius, qui joue rôle coordonnatrice action gouvernement après le des terres qui étaient secouées grand sur le pays en absence. Samedi qui était 14 d'août passé, ministre de la Femme une autre fois encore, t'es rendu dans le département sud du pays d'Haïti. Ayer mercredi 22 septembre 2021, visite ça qui entrait dans le cadre de travail évaluation situation pour garder comment travail a marché, progrès qui fait dans nettoyage l'école cœur de Magéo dans grand sud du pays. Et j'aime te dire là côté et goudou 14 août dans les mêmes secouements. L'école, passer maintenant dans l'école ça y est, garder tout et construction en gare. Vous connaissez l'école, c'est en bas en gare. C'est là que vous êtes obligé à suivre que toujours garder est-ce que vous commencez à faire et dans quelles conditions vous avez fait tout pour permettre que rentrer l'école là capable de respecter 4 octobre qui venir là pour 3 départements qui touchent dans le Grand Sud selon ça et autorité eux-mêmes dit. Ministre, mes conditions formales doivent former, docteur Sophia Lurius, ça a profité pendant tes présents. Dans ce pays, hein, pour le participer à une grosse réunion, côté coordonnatrice à département, les mêmes départements en question forme, dans le département sud pays, t'es organisé, et côté le président, t'as gardé, posé problème, mesdames, dans le département, surtout mesdames qui participent à une violée, mesdames qui a risqué la vie, madame Sarayo, mesdames dans tout secteur qui, je dis à là, pas de place vraiment, dans l'ensemble de l'activité dans le grand sud pays, t'es essayé de regarder avec le ministre, pour regarder dans quel niveau que vraiment le ministère forme en condition de forme, capable, remplir mission envers mesdames dans le département sud pays et dans tout reste pays. Et quand l'actrice département en question ça, c'est madame Saint-Victor Ditchly de Sylvain qui était exactement organisé réunion ça là. J'ai entendu dire sur question violence qui cap fait sous mesdames. On a une initiative dans l'occasion ça, ministre de l'Institut de la Femme, non, et lui-même, Sophia Lurius, l'y garder ensemble, l'y promettre pour le travail ensemble avec mesdames Sayo pour diminuer la question violence qui a fait sous mesdames dans le département. Il a profité tout à parler à même hier mercredi avec responsable d'un coup dans le département sud pays et d'Haïti. L'autre information, question, situation compatriote New York et autorité américaine a expulsé voué papier paquet en Haïti. C'est toujours réaction qui a fait dans la société, notamment dans divers secteurs, surtout secteur droits humains. Gen bureau avocat international qui dénonce comportement les États-Unis qui a matérisé et puis déporté papier avec pas ma connu série sorti haïtien, ça pas même respecté. Convention 1954 haïtien qui garantit droit réfugiés. BAI dénonce tout l'État et c'est qui bébé dans le dossier. C'est un côté, on suit le reportage avec Alex Gauthier.
Depuis dimanche qui s'est passé, le pays États-Unis a commencé à déporter Papil et Pamacon, une série haïtienne qui sont sortis Chili, Brésil, qui arrivent sous frontière États-Unis et Mexique. Là. Malgré pile calamité, migrants ont passé pour arriver sous frontière, gouvernement américain, sans aucune pitié, pimpé en Haïti. Une décision responsable BAI a dénoncé. Nous, BAI, avons dénoncé à toute force l'administration Biden-Harris qui a capturé plusieurs milliers haïtiens haïtiennes dans zone frontière États-Unis dans l'État Texas. Parmi eux, il y a des gens, des femmes enceintes. Nous voyons sur les réseaux sociaux, sur les visuels, maltraitance. Yo maltraité autant pour bête, yo forcé yo tourner la caille. Maître Mario Joseph critiqué autorité américaine yo qui pas même bay migrant yo possibilité pour passer devant juge naturel yo, yon comportement qui violé convention 1954 la Haïti signé. Déportation capable légal si gen un juge par exemple tant pour aux États-Unis et c'est ça pour fait, gen un juge qui décide et moun nan fait appel depuis tout recours. Eh bien, il y a qu'à déporter mon assassin qui est légal. Mais les États-Unis pas même demandé mon yo, ça au pot couvent, il a des chiens, il a des chevals, et puis pour martyriser yo, bah au mauvais de traitement inhumain. Il y a même pas possibilité pour aller devant un juge pour expliquer raison qu'il faut quitter pays ça. Alors que Haïti en bas convention 1954 là, relative au statut des réfugiés. Donc, nous-mêmes, nous disons pas normal et n'a bataille. États-Unis pas innocent dans calamité pays a connu dans dernier temps ça yo. Li pas ta doué pas recevoir jeune ça yo cap courir chercher la vie meilleure d'après Maître Mario Joseph. C'est vrai qu'il y a des pays qui cap dominer l'autre, que je nous les États-Unis a fait là. Alors que nous est bien, nous comprenons bien. C'est les États-Unis qui mettaient ça là. Ça nous gagne là bon ici hein, c'est les États-Unis qui mettaient nous dans mess ça. Pas d'autre. Pas de l'autre choix pour nous. Et pour des jeunes qui ont un pays sans l'espoir, sans rien, eh bien, pour ne pas partir quitter le pays. Maître Mario Joseph, pas mettre de l'eau dans la bouche pour dénoncer silence l'État haïtien tout dans le dossier ça. On a dénoncé le comportement autorité par nous. C'est pas normal. C'est pas normal pour, même si son gouvernement de facto, même si m'a demandé pour qui ça paye d'Haïti, un mauvais égrégore sous tête li, et c'est des sans coutia. Manfoubé qui vivait dans tête l'État et qui pas respecté droit peuple haïtien doit ressortissant. Et là pour faire valoir droit yo, eh ben yo va dire rien et nous dénoncer comportement bébé ça l'État haïtien gagné. Image déportation ça yo a fait viron internet là ak média national kou international yo, ça qui poussé autorité américaine yo réagi. C'est qu'a vice-présidente américain Kamala Harris qui dénonce mauvais traitement migrant haïtien yo ap Sibi sous frontière. Il y a plusieurs autres organisations humanitaires qui réagissent tout, mais est-ce que réaction ça yo pral permettre autorité américaine yo camper sous expulsion ça yo? Un dossier n'a pas suivre. Alix Gauthier, Radio Omega. Merci en pile Alix Gauthier. N'a toujours été dans le même sujet ça qui est coordonnateur national émergence patriotique René Civil qui dit le consterné des vents vagues déportation compatriotes haïtiens absibi en bas mais autorité américaine yo alors qu'il y a pas protégé l'autre nation tako vénézuélien. René Civil critiqué en même temps autorité américaine yo dit qui plongeait pays dans situation de trouver le jeudi et qui empêchait haïtiens prendre destin yo en main pendant la dénoncer silence gouvernement dans dossier déportation silayo. En côté coordonnateur national émergence patriotique là René Civil non micro collaborateur non José Belamour. Nos nations tant que les États-Unis qui a prêché démocratie, respect droit monde, respect droit de l'homme et qui a demandé pour monde vivre tant que monde. Je dis assez ça li te serré pour haïtien. Américain ou un paquet de vénézuélien qui entre la caillou protéger yo, qui ben yo protéger yo, plus de 30 000 afghans yo bayo statut réfugié, yo bayo papier pour fonctionner, pour qui ça c'est laisser haïtien américain traiter nous comme ça. Et d'ailleurs, si Haïti rive dans niveau économique et social, non crise politique sans pareil, dans une insécurité dernier degré, yon un pays qui se promoteur qui mène nous là, c'est les États-Unis. Yo pas faire l'autre bagaille qui détruit nous politiquement, qui empêche nous organiser, empêche nous mettre tête nous ensemble, empêche nous prendre des décisions. Yo pas décidé qui te prend destin pays en main. Yo prend toute responsabilité yo nan mené nous, nan sa nous yé jounen jodi a
Pas oublié, non? C'est les États-Unis qui bat nous, Matéli. Dans la dernière élection, yo. Pas oublié, c'est les États-Unis qui bat nous, Jovenel. Pas oublié, toute crise électorale, pays à connaître depuis à peu près 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est les États-Unis à travers OEA qui manigancent toute crise. Organisation sociopolitique Viva Haïti condamné comportement autorité américaine qui a déporté haïtien par banak par macon dans moment côté Haïti a fait face à toute qualité problème insécurité la vie chère latrier ou ni Timothée avec bureau DG2 dirigeant Viva Haïti fait connexion ça contrat avec convention internationale haïtien ou ni Timothée avec bureau DG qui a demandé qui ba Haïti fait États-Unis demandé pour autorité américaine suspendre la déportation massive ça yo pendant yo acquisé pays blanc américain qui la cause pays d'Haïti trouvé la situation ça Oni Timothée ak Biron ODG Dynamico Josué Belamou. C'est une action contre l'humanité, yo fait façon y a déporter compatriotes nous, pile monde.